Ça veut dire, dit Morvan, c'est normal pour Namaon, parce que c'est lui, c'est Réni qui a pris aujourd'hui, qui fait moi-même Namaon. Mais automatiquement, l'état des droits rétabli, c'est Morvan qui a pris Namaon, mais moi-même m'applique. Parce que je dis, pas de moyen pour moun de bien vivre en Haïti. Ouais, tout le monde qui doit bien, ouais, c'est volé, il a volé quitter le pays, il a quitté le quartier, il a quitté le ghetto, il a quitté la zone, il a volé, il a caché, il a Namaon, parce que je dis, nous avons le pouvoir criminel qui a régné. C'est la terreur qui a agi, professeur Namaon, docteur Namaon, étudiant Namaon, homme d'affaires Namaon, madame Sarah Namaon, pas de la vie pour le monde de bien. Ça veut dire capable de la vie seulement pour les voyous, pour les délinquants, à la manière de Morvan. Vous comprenez? Mais nous-mêmes, celle ça nous assure, nous ne sommes pas marrons parce que nous avons kidnapping, nous avons vol, nous avons viol, nous avons base gang. Nous marrons parce que nous bataille contre gang. C'est ça qui fait la différence, moi-même, avec Marron Morvan. Qui veut vous assumer que vous êtes marrons, je dis là? Non, je réponds Morvan ce qu'il dit, nous marrons. Mais pour tout le monde de bien, vous connaissez moi-même, je suis avec Kabitou Koumen, plus de 25 ans de combat. Et question madame, je m'habitue avec eux. Moi, je suis sous Jean-Bertrand ici, je suis 9 tentatives d'assassinat avec commencement d'exécution. Et sous René Préval, dans la bataille société victime coopérative, nous avons toujours fait face à ça. Maintenant, ce qui est important pour moi aujourd'hui, nous ne pouvons pas poser ces questions. Loi pour le monde, est-ce que Rosemont est marron ou pas marron? Ce qui est certain, non-combat. Et l'homme non combat ou à boumer, c'est normal. Ou bon gens pour déplacer, ou bon gens pour comporter, ou bon gens pour faire face carré avec ennemi qui en face. D'ailleurs, nous parlons système démocratique. Côté, c'est la loi qui agit. Nous avons un système de répression, nous avons un système d'intimidation, nous avons un système de dictature qui joue un support de l'international qui permet, je dis à vous, pas qu'un citoyen qui a difficulté. Eh bien, c'est ça qui a expliqué. Moi capable de mettre en façon une forme moment pour être capable de gommer avec les criminels qui sont dans notre pays. Ça me besoin de rappeler nous d'abord, conférence pour parler avec les médias matin, après-midi. C'est vrai, à travers les réseaux sociaux, à travers la radio, la télévision, nous sommes informés que nous avons un mandat d'amener contre nous. Mais le mandat d'Améa, c'est Rosemont Jean, Magali Habitant, Marcel Mithil dit Arabe, Nicholson dit Bab, et Achibal, fils Okaï. Nous avons plusieurs autres monde, d'après toute information, dans l'ordonnance, tu as même gagné, tu as même voulu parler, que ne pas pour confirmer, tu as un mandat d'Améa contre Philippe. Et nous-mêmes, ça nous comprenons. Pour moi-même, les réactions normales, les réactions gouvernement normales. Vous comprenez ça? Le fait que nous-mêmes nous opposition contre gang, nous-mêmes, nous, c'est gang, c'est normal pour vous avec nous. Si vous avez été là avec nous, ça veut dire que nous avons pensé que nous pas arrivé sur nous. Ça veut dire que c'est parce que vos différences énormes entre nous-mêmes et le gouvernement qui là, qui c'est une fédération criminelle, qui fait estimer nous déjà pas qu'à camper même côté. Maintenant, ça nous besoin de rappeler la presse parlée, presse écrite, presse télévisée, médias en ligne qui là. Le 18 août 2023, Gayen Fonod, Ami Jomo, Pro Jomo, MVP, ont ensemble d'organisations, de façon formelle, nous constituer des cabinets d'avocats, dont nous y sommes le cabinet, nous y sommes aussi. Nous portons plainte dans le parquet de province. Nous portons plainte contre le CSPN pour usurpation de titre et de fonction. Nous portons plainte contre le directeur général de la police nationale. Nous portons plainte contre Enol Joseph. Nous portons plainte contre Mme Emeline Prophète. Nous portons plainte contre Ariel Henry. Nous portons plainte contre le directeur départemental de l'Ouest Police Nationale. Nous portons plainte contre département, contre directeur départemental police Latibonite. Motif plainte nous, c'est pour complicité d'enlèvement, de séquestration, complicité de génocide, usurpation de titre, association de malfaiteurs.
Pour qui ça nous porter plainte ça? Nous porter plainte ça parce que nous estimons qu'il y a une véritable connivence, relation, mettre ensemble gouvernement et gang armée par rapport à une action, parce que la loi dit clairement, automatiquement, des autorités qui l'ont pour ta venir au secours à une population et puis pas fanier, ça veut dire l'État doit porter, l'État doit porter secours, sécurité à monde qui est en danger. Alors que ça nous est là, nous avons l'État qui n'est pas venu au secours à personne en danger. Or la loi dit clairement, quand l'État là, pour venir au secours à personne en danger, et pour ne pas faire rien, il quitte, il a tué les gens, il a brûlé les gens, il a kidnappé les jeunes femmes, il a violé les jeunes femmes, il a mis des faits dans le bien privé, dans le cas où il a regardé ce qui a passé du côté Mariani, du côté la Croix-Périsse, du côté Savien, dans Bradom, dans Torcel, non, du côté Kafoufé, eh bien, nous rendons compte, si l'État a tout point ça, le pour créer une manifestation, il met des chars blindés, il met M52, il met très bien de chaîne, alors que les bandits ont barré Canaran, pas gagné une fête pour mon Canaran, pas gagné une fête pour mon Mariani, pas gagné une fête pour Matissan, pas gagné une fête pour mon village, eh bien, nous venons rendre compte pour sorte de complicité l'État. Non, ça. Et c'est pour ça nous-mêmes, nous promet. Et c'est pour ça, et pour raison ça, nous portons plainte. Commissaire gouvernement, M. Dé Guillaume, l'élevé dans la nuit, malgré plainte enregistrée, transcrit. La loi dit, automatiquement, nous portons plainte, et puis nous constituons tête partie civile. Commissaire gouvernement, par exemple, l'autre choix qui transfère le dossier entre 72 ans par devant le cabinet d'instruction. Commissaire qui a fait plainte. Il n'a pas voulu plainte dans le cabinet d'instruction. Non seulement pas vous être là dans le cabinet d'instruction, moi dit nous porter une partie civile. Ça veut dire nous sommes ensemble d'organisation qui porte nous partie civile. Automatiquement plainte là des partie civile, commissaire pas qu'à classer sans suite. Ça commissaire fait, il fait pour qu'il y a aller chirer page plainte nous côté CSPN. Il chire. Nous prenons plainte là. Nous fait maintenant une citation directe dans le cabinet d'instruction. Or, voilà que nous faisons côté plainte, c'est nous porte plainte. Nous n'avons pas de gens qui dénoncent nous. Nous n'avons pas de gens qui portent plainte dans le paquet contre nous. Nous n'avons pas de dénonciation. Nous n'avons pas de gens qui dénoncent nous. Nous, le commissaire gouvernement, n'a pas de flagrant délit. Le commissaire gouvernement, sans le pas inviter nous, lui mettez un mandat d'amener contre nous. Mais nous venons comprendre pour qui ça, le commissaire a mis un mandat d'amener, parce que le commissaire vient faire partie d'un vaste complot, d'une vaste association de malfaiteurs. Mais vous connaissez. Yo pral mette document de yo contre Martin Moïse, yo connais ces arabes qui toujours défendent, qui n'ont même pas de vie avec moi, heureusement, depuis vous parlez de Martin, de question justice pour Jovenel, yo pral gagne ordonnance, c'est que absous des pieds. Le ministre a fait mettre un mandat DM, en façon pour faire rentrer dans tout, pour ne pas parler, pour ne pas intervenir. Pourtant, c'est un complot qui a manigancé, même j'ai été fait complot, qui a été assassiné Jovenel Moïse, maintenant, yo vient monter un vaste complot pour assassiner Martin Moïse. C'est là la bataille arrive. Maintenant, mon cap parle de Rosemont Namaron, Rosemont pas Namaron, Rosemont employé tactique combat pour gourmet avec un gouvernement criminel, un gouvernement qui composé des assassins et des assassins notoires, des assassins patentés, des assassins qui bien s'appeler doctorat en matière de crime. C'est peut-être ça. Nous-mêmes, comme Namgoumet, nous employons moyens pour nous capables de mener combat. C'est vrai qu'il y a des gens qui dit. Et la question ordonnance qui sortit, soi-disant ordonnance qui t'a rendu dans le cas assassinat président Jovenel Moïse. Pour l'histoire, vous l'avez dit, je dis nous, messieurs, moi-même, qui parle avec nous là, depuis plus de 3 ans, qui bataille, qui prend de justice pour Jovenel, dans la justice, je cherche, je t'ai toujours dit que je ne peux pas joindre avec Ariel. Parce que pas mal de gens qui ont participé dans l'assassinat Jovenel Moïse, c'est yon qui mette juge Wester, Walter, Voltaire, que Rosemont Jean reconnaît depuis en 2000 de noter dans la convergence démocratique ensemble, dans la bataille, dans quatre batailles GNB. C'est Paul Denis qui fait magistrat salier aujourd'hui avec Ariel Henry. Laisse Ariel Henry dans le conseil de le conseil sale, sans pour le malfecteur, que yon te dit son conseil sale. Laisse magistrat
t'es militant, t'es avocat militant, ensemble avec nous. C'est Paul Denis, le ministre de la justice, dans le cadre de bataille qu'il fait. Paul Denis, il va le faire, monsieur juge, il va le faire, monsieur, tout privilège gagné, ensemble avec Ariel Henry. Est-ce qu'elle pense aujourd'hui, si le juge là, t'es sérieux, t'as mené une enquête, il t'es honnête. Premier, sa magistrat t'a dit avec tout respect de vous, magistrat t'a dit pour convenance personnelle, il n'y a pas qu'à instruire un dossier qui a Ariel Henry, qui a Paul Denis là-dedans. Automatiquement, où elle t'a accepté, c'est parce qu'elle était d'accord pour la faire mission ça. D'ailleurs, nous-mêmes, ça n'a pas tant encore, mais magistrat, n'a pas tant pour lui dire nous, 54 millions de dollars, il était jeune quand Jovenel Moïse, ça a fait le code de l'IA, nous le code de l'IA, ça, pour nous joindre dans le tribunal là. Deuxièmement, nous gardons mandat d'amener qui était décerné contre Réginald Boulos dans le cas de Jovenel Moïse, mandat d'amener, mandat rapport digicel Ariel Henry avec Badiou, nous n'avons pas gagné. Il faut nous garder des démarches gouvernement fait pour l'empêcher Badiou de traverser aux États-Unis. En façon pour être cocoté là. Martin Moïse, je dis, c'est val moins. Yonel Valbrun, nous tous connaissons comment Yonel Valbrun était trouvé dans le palais national. C'était Martinique qui mettait Yonel Valbrun. Mais ça qui est bizarre dans la question, le juge a dit dans le rapport où Yonel Valbrun a dit Martin Moïse, depuis à la veille, tu es venu prendre un document, tu es venu prendre un bagage, tu es venu dans le palais. Mais ça pour tout le monde songer. Les menaces. Tentative menace qui a circulé à travers tout le pays à soit assassinat Jovenel. Le pays a été oublié que Jovenel était presque fou moi, il va descendre dans le palais. Par rapport avec Jovenel fait quoi, c'est la Kali, il n'y a pas venu tuer la Kali. Or, il y a un monde qui a toute information côté a planifié assassinat pour le président dans le palais national. Dis-moi si je suis fait dans le palais, si je ne vais pas le chercher. Ça c'est une. Deuxièmement, si Martin Moïse connaît. Dans moins de un mois, il a tourné dans le palais. C'est l'équipe qui est dans le palais. Qui a été gagné pour être en possession du palais et puis qu'on a là pour la retirer ça dans le palais. Monsieur dit 9 juillet, Martin Terrelli, pour parler à Valbrun pour ce petit Claude qui pourra pouvoir. Tout le monde songe. 9 juillet, Martin était sous combien d'opérations l'hôpital. Les Martin rentré, pour Martin montrer des accords avec Claude, par contre, si quelqu'un l'a rappelé, on l'a même Martin débaille avec Claude. L'elbal l'a même, pour nous-mêmes qui te connaissons, toute signification, c'est que tu as des mises en place, parce que tout le monde est au courant assassinat Jovenel, mais personne dans le monde qui te connaît assassinat Jovenel, pas de jamais disposer aucun minimum qui a été acheté l'an mot Jovenel. Parce que c'est moi-même, le 20 août 2020, je suis en conférence pour dénoncer l'assassinat qui a planifié contre Jovenel Moïse. J'ai besoin de monde qui est secrétaire général de palais, j'ai besoin de monde qui est ministre de l'Intérieur, j'ai besoin de monde qui est directeur général de la police, pas vrai? Qui a les moyens et renseignements dans le pour les gens qui paraît vanille pied au courant de l'assassinat sous coupe présidentielle et puis pour collaborateurs autour de l'IPA. Ça, ce que fait là, ils font une stratégie. Vous mettez Martin dans le dossier. Pour qui ça vous mettez Martin? Parce que vous connaissez. Depuis vous mettez Martin pour nous avoir une bataille contre l'ordonnance. Pour nous casser le mouvement contre l'ordonnance, vous impliquez Martin Moïse. Mais vous impliquez par stratégie. Stratégie comment? Pour ses propres mondes qui étaient là pour supporter l'ordonnance, pour ses yeux pour nous combattre l'ordonnance. Par contre, si vous comprenez quoi? Après, des gens qui sont là qui étaient à le juger, vous ne pouvez pas mettre nous. B. Il n'y a pas d'objectif pour la justice à Jovenel Moïse. Justice en lui-même, à tous les niveaux, une grande partie de la justice, tu es déjà participé dans la démarche pour assassiner Jovenel. Lorsque tu as un plan, coup d'état pour prendre Jovenel, mais tu n'as pas de racheter Jovenel. Mais dis, moi-même, dans ce sens, nous comprenons ma dev 4 jours. Ils ont mis des mandats derrière nous, ils ont fait nos couilles pour nous, pas camper pour nous continuer la bataille Jovenel Moïse. Mais nous avons dit, c'est bien côté mal calculé. Nous allons aller jusqu'au bout. Jusqu'à ce que nous aboutissions à l'objectif qui se joint justice à la préparation de Jovenel, pour la famille Jovenel Moïse. Nous connaissons.